Cellule de base de toute société, la famille est une communauté d'individus réunis par des liens de parenté. Elle crée, entre ses membres, une obligation de solidarité morale et maternelle censée les protéger et favoriser leur développement social, physique et affectif. Hélas, en Afrique en général et au Congo en particulier, cette cellule de base s'est beaucoup fragilisée avec le recul du temps. Spirita Nanda et Vivien Moukiakia évoquent quelques facteurs à l'origine de cette fragilisation. L'inquiétude au niveau de l'Afrique présentement, c'est que la famille est en train de se disloquer. La famille est en train de perdre sa notion fondamentale dans le cadre famille, fraternité, amour. Il n'y a pas trop d'amour dans la famille ces derniers temps, nous remarquons en Afrique. Il y a beaucoup de familles qui se déchirent aussi à cause des églises. Bon, on va te dire non, le pasteur va te dire non, ton mari c'est un sorcier, ta femme c'est un sorcier. Comme il n'y a pas la confiance, on se méfie maintenant l'un de l'autre. Mais c'est vrai qu'aussi il y a des familles qui se déchirent vraiment parce que par exemple la sœur est jalouse de la grande sœur ou bien vice versa. Donc moi, le problème à la base, c'est seulement la méchanceté. Aujourd'hui, plusieurs familles congolaises ont perdu la notion de solidarité et du vivre ensemble qui les caractérisait jadis, chaque lignée préférant former son propre clan. Une attitude influencée par le mimétisme de la culture occidentale, estime Vivien et Spirita. Mais je pense personnellement qu'à la source de cette division, il y a la jalousie qui prime beaucoup plus. Parce que X ou Y s'est retrouvé dans la vie. On pense qu'il doit naturellement prendre soin de tout le monde, ce qui apparaît difficile à mon avis, eu égard aux revenus et aux activités que nous exerçons présentement, sinon les conditions de vie. La culture occidentale nous influence en fait négativement, il faut le dire aussi, parce qu'aujourd'hui l'Africain voit plus la famille, c'est madame, les enfants, nucléaire, et elle devient trop nucléaire. Chez nous, les Africains, on dit pas non, c'est papa, maman, la famille, c'est tout le monde. Moi, j'ai des sœurs qui sont en Europe, elles sont seules. En Afrique, tu peux pas être seule. Tu peux galérer, tu auras toujours un oncle quelque part qui va te dépanner. Mais en Europe, c'est pas comme ça. Tu es seule, tu vas galérer, tu vas souffrir seule. Donc, on a nos avantages. Il faut vraiment qu'on garde ce socle-là, qui est la famille africaine. À l'occasion de la Journée internationale des familles, célébrée le 15 mai de chaque année, l'ONU met en relief l'importance de ces cellules de base pour des sociétés plus solides. L'occasion également de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées.